Yoach tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes super bien et je ne vous fais pas attendre plus longtemps parce que je sais que vous voulez la suite comme moi de Mad Alors nous revoilà juste après que Père ait annoncé qu'il voulait nous transformer en poupée. Et donc, je dois courir. Je pense que cette partie s'annonce bien. Alors, je me concentre. Je suis concentrée. Je crois qu'il va falloir qu'on s'enfuit. Parce que... Ok, j'ai sauvegardé. Ok, il s'en va. Maintenant, c'est parti. Ça ne s'ouvre pas. Ok, ma fuite est déjà compromise dès le début. Oh, je préférais quand je l'entendais pas. Ouvre la porte, Aya. Le mannequin la bloque. Le mannequin m'aide. Le mannequin m'aide. Merci, mais Aya, t'as pas le temps de remercier. Aya! Ouvre-toi! De, j'ai rien pour l'ouvrir. Oh mon Dieu, c'est horrible. Putain, j'ai plus accès à mon inventaire, j'ai plus accès à rien, mais ouvre-toi! Oh mon Dieu, elle a sorti sa tronçonneuse. J'arrive pas à l'ouvrir, j'ai pas de tronçonneuse, j'ai rien, j'ai... Mais j'ai pas de tronçonneuse, j'ai rien! Tu ne t'enfuis pas, tu ne t'enfuiras pas, Aya. Mais ouvre-moi cette porte! Arrête de le regarder! Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, ça me stresse. Je dois courir. Oui, cours, Aya. Z, Z, Z. Merde, c'est anglais, c'est anglais. J'ai oublié, j'ai oublié. J'ai oublié que le clavier est anglais. J'ai oublié. Ah, j'ai oublié. Bon, on l'a refait. C'est bon, maintenant je connais. Je sauvegarde. Et on y va. Ok. On peut passer vite, on connaît tout. Ok, j'ai complètement oublié que le clavier était anglais et que le Z n'était plus au même endroit. Désolée. Faut pas m'en vouloir. Oh, sa voix me fait flipper. Ça y est, il a sorti sa tronçonneuse. Allez, 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 je suis prête là. J'ai le bouton Z sous la main. Oh, ça fait trop tellement flipper. Heureusement, heureusement, ça semble que le jeu, il est pas genre. Il est en petit format anime, sinon je vous jure que je serais morte de trouille. Déjà que là, ça me fait peur. Mais alors là, je serais morte de trouille. Allez, Aya, allez, Aya, allez, Aya. Oui, tu vas t'enfuir. Allez, enfuis-toi, enfuis-toi, enfuis-toi. Allez, je smash le bouton Z. It's playtime. Oh non, c'est pas. Non, mais je pouvais pas bouger! Elle a pas bougé! Le succès s'est affiché, elle bougeait plus! Oh non! Ok. Ok, allez. Aya, Aya, Aya. Allez, enfuis-toi, 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 enfuis-toi. Non! Z, 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 non! Non, Z! Je fais quoi? Je sais pas quoi faire! Mais je sais pas quoi faire! Mais je sais pas quoi faire! Ça s'ouvrait pas! On va se calmer, on va se calmer. Il doit y avoir une autre sortie quelque part. Je fais quoi? Je fais quoi? Je fais quoi? Je fais quoi? Ah, c'est horrible! C'est horrible! Ce jeu est horrible! Je vois pas quoi faire! Je vois pas quoi faire! Mais non, mais. One eternity later. Ok, viens là. Oh mais non, mais non, mais non, mais non. Ah mais c'est impossible. Ok, il se bloque quand il utilise sa tronçonneuse. D'accord. Donc là, il rigole. Là, il est bloqué. Là, on le bloque. Ok, j'ai compris le truc. D'accord. Fallait juste comprendre. Fallait juste comprendre. C'est Maria? Où est-ce que c'est... je suis revenue. Docteur?
Oh putain, Maria, aide-moi. Maîtresse, Maria, aide-moi. Maria, ne laisse pas Aya s'échapper. Mais c'est ça, alors, genre, je vais attendre. Qu'est-ce que je fais? Ah voilà, tout simplement. Je sauvegarde. Je sauvegarde. Je sauvegarde deux fois même. Ok. Nous voilà ici, nous voilà ici. Ah. Non, j'ai cru qu'il y avait quelque chose. Il n'y a rien. Ok, on s'en fout. Je me... Évidemment, ça s'ouvre pas. C'était quoi ce bruit? Attendez. Il y a une voix. Je parlais en même temps et j'ai pas entendu. J'ai écouté au montage. C'était quoi ce truc chelou? Oh là là. J'ai plus d'inventaire, j'ai plus rien. Ça sert à rien. Je fais quoi? Je vais pas faire demi-tour. J'ai fermé la porte. Ok. Ça s'ouvre toujours pas, hein, ma foi. Ah! Elle va se cacher. Je peux me cacher ici. Bonne idée, Aya. Enfin, bonne idée, je sais pas. Oh mon Dieu. Maîtresse, où est-ce que tu peux. Où est-ce que vous pouvez. Elle va me trouver. Où est-ce qu'Aya est partie? Je suis désolée, j'ai perdu, je l'ai perdu de vue. Tu quoi? Oh, il va la tuer. Je suis vraiment désolée. Je suis certaine qu'elle n'a pas pu aller bien loin. Cherchons-la. Tuer, inutile. Oh mon Dieu, il l'a tuée, Maria. Ah, oh, je m'en doutais, mais... Enfin... Ah, oh, ce ending est horrible. Ah, oh, c'est horrible. Et il a défoncé la porte. Oh là là, Maria. Docteur! Bon bah, Maria! Qu'est-ce que je peux faire? Il y a tellement de sang. Est-ce qu'il y a quelque chose ici que je peux utiliser? Oui, ça. Ça, non. Bah ça alors, seul truc qu'on peut interagir avec. Il y a quelque chose ici? Est-ce qu'il y a quelque chose ici? Ah, j'ai trouvé quoi? Des bandages. Bon bah, soignez Maria. Docteur. J'ai perdu tout ce que j'avais. Le pendentif, je sais pas à quoi il va nous servir, mais il va certainement nous servir à quelque chose. Bon, on va utiliser les bandages. Allez, on soigne Maria, comme si on avait que ça à faire, alors qu'il y a père avec une putain de tronçonneuse qui nous court après dans la maison. Il est où Hitman là? Il est jamais là qu'on a besoin de lui celui-là. Oh là là, il est là pour m'embêter, me dire des trucs absolument philosophiques, mais pour m'aider, il n'est pas là lui, hein. Un bandage. Ouais. Je ne peux pas enrouler ça autour de ses habits. Soulève ta jupe un petit peu, Maria. Je la déshabille. Oh, c'était quoi ce bruit? Ça devrait aider à stopper le sang. Maîtresse, merci pour vous occuper de moi. Elle est vraiment belle, les yeux fermés. C'est pas grave. Ne t'inquiète pas à propos de ça. Je dois être... L'awesome. Je vais tout de suite vous dire ça. L'awesome. What the fuck is this word? Alors. Je dois être pitoyable, un truc comme ça, je pense, ou détestable dans tes yeux. Détestable, c'est ça. Mon Dieu, mais je deviens super forte en anglais. Bilingue, la meuf. Je dois être détestable dans tes yeux. Ouais, je dois être détestable pour toi, en gros. Ne dis pas ça. C'est vrai. Je connais vos sentiments, maîtresse. Elle est vraiment belle avec les yeux comme ça. Qu'est-ce qui t'arrive, Maria? Vache! Je t'ai fait un bandage, ça y est, t'es devenue belle gosse.
J'ai emmené loin de toi les êtres que tu aimais. Bien sûr que tu dois me détester. Mais tu es vraiment gentille et tu me montres tellement de compassion. Maria. Maria, est-ce que tu peux te lever? Maîtresse? Nous devons nous enfuir ensemble. Mais, maîtresse, je suis pareille que toi, Maria. Je pensais que je ne pouvais pas vivre sans père. Mais la façon dont père pense à propos de nous, c'est pas du tout français ma phrase. Ouais, la façon dont père pense, je sais pas comment dire. Je pense que vous avez compris ma phrase pas française. Hein. Ce que père pense de nous, ouais. Je ne veux pas être une poupée. Alors je ne peux pas être avec lui. Mais toi et moi, nous ne pouvons pas vivre seuls. Alors, allons-nous-en ensemble. Même si père est parti, je sais que nous pouvons le faire tous les deux. Maîtresse. Oh, on va vivre avec Maria. Je l'aime bien finalement, Maria. Au final. Ah, maintenant elle est plus creepy avec ses yeux grands ouverts. Garde-les à moitié fermés, Maria. T'es BG comme ça. Je vais vous accompagner. Merci, Maria. Oh. Maria! Oh non. Je suis désolée, maîtresse. Mais est-ce que je peux m'appuyer sur votre épaule? Oui. Bien sûr. Attends, Maria, je vais sauvegarder. L'hôtel. Maria, je suis sûre en train de te dire, mais qu'est-ce qu'elle fout? Voilà. Bon. Bah alors là, notre célérité, elle est pas très élevée. Oh là là, je le savais. Vous voyez, j'ai bien fait de sauvegarder. Père est encore là. Ok, bon, il faut qu'on fasse demi-tour, mais... Où c'est qu'on va s'en aller? Nous devons courir. Ok, mais si on peut faire demi-tour ici, c'est qu'il y a forcément... Ah ah! Oh là, c'est père qui a parlé là. Père. Maîtresse, dépêchons. Ah, je ne contrôle plus rien pour votre gouverne. Maria! Non, mais je veux pas m'enfuir sans toi! Maîtresse, ne t'occupe pas de moi. Va-t'en. Non, nous nous enfuyons ensemble. Je ne peux pas aller plus loin. Tu dois t'échapper seule, maîtresse. Je pense qu'elle dit vous, mais c'est plus facile de dire tu. Je ne peux pas y aller toute seule. C'est... Non, tu peux le faire. Je ne peux pas te laisser seule. Je te suis... Ah je... Non, c'est... Non, non, c'est ok. Je ne peux pas te laisser seule. Je te suivrai par derrière, c'est sûr. Crois-moi, s'il te plaît. Maria! Ah, je suis sûre, elle va mourir, elle va jamais nous suivre. Le père va la tuer définitivement, je suis sûre. Ah ben... Voilà, putain, comment tu veux qu'elle nous suive? Comment tu veux qu'elle nous suive? C'était impossible. Bon, moi je me casse, hein. Je fais pas des vieux os ici. Ah, c'est trop. Oh mon dieu! Oh mon dieu, ça va faire comme dans Shining. Ah, oh, ça fait comme dans Shining! Ça fait comme dans Shining, c'est horrible! Non! Non! J'avais pas les morceaux! Ah! Mais enfuis-toi! Qu'est-ce que je fais? Ah! Mais qu'est-ce que. Je comprends pas ce qui se passe. Je sais même pas si je contrôle quelque chose. Quoi? Oh mon dieu, mais c'est qui celle-là encore? Viens avec nous! Non! Non, je vais certainement pas aller avec toi! Ah, je t'ai trouvé, Aya. Oh putain. Le jeu est terminé, Aya. Je dois encore te garder, n'est-ce pas? Laisse-moi! Je ne veux pas te faire mal, Aya. C'est vraiment dommage. Non, arrête, père! But I can't go... I can't... Oh, c'est horrible!
Mais je peux cacher tes jambes avec une jupe. Facilement, alors ça devrait aller. Il veut lui couper les jambes. Non, je ne veux pas ça. Non, moi non plus, je ne veux pas ça. J'ai toujours voulu rester avec toi. Je t'aime, père. Alors, s'il te plaît. S'il te plaît, arrête. Aya. Ne t'inquiète pas. Père et Aya seront ensemble pour toujours à partir de maintenant. Alors, reste en paix. Aya. I love you. Je t'aime. Non, mais enfuis-toi. Oui. Dis-toi que c'est Hitman. Ou Maria, je sais pas. Ah. Ya. Père. Je t'aime. Ouais, bah pas moi. Aya. Moi, je t'aime pas. Je t'aime pas. Oh, la vache. Ah bah là, c'était sûr qu'il était pas mort. Il vient de se prendre trois couteaux dans la tête. Père. C'est Hitman, je pense. Qui a fait ça? Qui a fait ça? Maria! Oh Maria, je t'aime! Oh Maria! Je suis désolée de tout le mal que j'ai dit sur toi. Oh, je t'aime. Maîtresse, oh, je t'aime. Maria! La musique est creepy au possible. Es-tu blessée? Sniff. Maria! Oh, c'est trop mignon! Père ne bouge plus! Alors, et j'espère plus qu'il va bouger. Est-ce que père est mort? Je suis désolée, maîtresse. Je n'ai pas eu d'autre choix pour te protéger. C'est Maria qui nous a sauvés. Putain, Hitman, il sert à rien. Ok. Je suppose que c'était pour le mieux. N'est-ce pas, maman? Oh, mais il s'est levé! Non, mais c'est sérieux! Mais regardez, il a un couteau dans la tête! Oh non, je pensais que c'était fini! Non, 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 non! C'est quoi, c'est la fin du jeu? Ah! Mon pote! Il est pas mort! Mais Maria l'avait tué! Maria, faut que t'arrêtes de lancer des couteaux, tu tues personne au final! Ah, oh, je suis contente, j'ai réussi. C'est notre pote, Aya, n'aie pas peur de lui. Maîtresse. Bah, je crois qu'elle s'est évanouie. Les émotions, ça a été trop là. Je crois que là, elle est HS, Aya. On lui a trop demandé là. Qu'est-ce qui se passe? J'aime pas qu'il y ait de la musique puis que je vois rien. Qu'est-ce qui se passe? Ah, bon, on a même pris Snowball avec nous. Tu nous as sauvés, merci. Ne me remercie pas. J'ai fait juste ce qu'elle a demandé. Tu dis ma mère? Tu parles de ma mère? J'ai dit que j'étais désolée pour de t'avoir effrayée. Je n'avais pas l'intention de te blesser. Crois-moi, s'il te plaît. Je comprends. Maman essayait de me protéger. Merci, maman. Je veux la voir encore. Je veux la revoir. Elle voulait ça aussi. Mais je ne pense pas qu'elle veut. Je ne pense pas qu'elle veut que tu la voyes maintenant. Je ne pense pas qu'elle veut que tu la vois comme elle est maintenant plutôt. C'est. Qu'importe, ouais, je sais pas comment traduire ça, oh là là, c'est dur. Qu'importe à quoi ressemble mère, je. C'est pas grave. Enfin, tout va bien se passer plutôt. Ou tout va bien. Tout va bien. Elle te regarde. Elle prend soin de toi. Je traduis ça comme ça. Depuis l'au-delà. Ne sois pas triste. Si tu l'es. Ça va seulement la rendre triste aussi. Ok. La malédiction devrait bientôt se terminer. So it's almost farewell. Je comprends pas cette phrase.
C'est... Alors, c'est bientôt terminé. Ah! Ah. Alors, c'est presque un adieu. Tu t'en vas? Nous sommes seulement en vie à cause de la malédiction. Je vois. Mais il y a quelque chose que je dois faire avant de partir. C'est de brûler cette maison. Pourquoi? Tu ne peux pas faire ça. J'ai tellement de souvenirs ici. J'ai tellement de souvenirs heureux ici. Cette place ne peut pas simplement rester comme elle est. C'est possible que quelqu'un la trouve et continue le travail de ton père. Je ne peux pas laisser cette tragédie arriver encore. Exactement. Allez, brûle! Let it burn! C'est ce que maman voulait aussi. Trois petits points. Ok. Si c'est ce que maman veut, alors fais-le. Maîtresse, elle est vraiment bien plus jolie avec les yeux comme ça, hein? C'est d'accord, ça va, Maria. Même si la maison est partie, mes souvenirs de père et mère ne s'en iront pas. Maîtresse. Oui, c'est vrai. T'es moche maintenant. Aya, il y a quelque chose que je dois te demander. N'oublie pas les gens qui se sont sacrifiés ici. Oh, je vais pas risquer de les oublier. Crois-moi. Aucun de nous n'avait de parents proches ou de famille. Ouais. Aucun de nous n'avait de famille. Aucun de nous n'avait de famille. Personne ne nous cherchait. Personne ne se rappellera de nous. Personne ne sait que nous avons existé. Notre existence sera oubliée de ce monde. Mais nous voulons quand même vivre. Mais non, mais nous avons quand même vécu. Alors je ne veux pas que tu l'oublies. Je veux que tu gardes la preuve dans ton cœur que nous étions ici. C'est la moindre des choses que tu peux faire pour nous. Oui, je n'oublierai jamais. Merci. Wow, c'est un adieu. Wow, il te fait cramer la maison comme ça? Au calme. Au KLM, comme dirait ma soeur. Oh. Goodbye, Aya. Adieu, Aya. C'est trop mignon. Oh, j'espère que tu pourras sourire. Maintenant, pars. Pars et ne reviens jamais. De toute façon, la maison, elle aura brûlé. Adieu. Allez, on prend Snowball parce que Snowball, on l'aime. Maria avec sa robe tachée de sang. Et il y a mon père qui va brûler. Hitman, bah tiens, bah c'est maintenant que tu te montres. Alors j'ai failli crever un nombre incalculable de fois. Même pas t'as bougé le petit doigt pour venir m'aider. Et là, t'es dans la maison, tranquille. Je te jure. Les humains sont des créatures. Je ne sais pas. Ils n'étaient pas humains. Parce que s'il dit les humains sont des créatures tellement... C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas humains. Shit alors. C'est pour ça qu'il ne peut pas nous aider alors. C'est un esprit de l'au-delà. Ah, les humains sont des créatures tellement insensées. J'ai vu tellement d'humains insensés. Mais tu étais le plus insensé d'entre tous. Une humain
un humain fou de désir. Et plus dangereux que tous les démons. Et encore, j'adore tellement les humains. Les humains insensés. Viens avec moi. Quoi, c'est Shinigami? C'est le dieu de la mort, ce truc? And you marry sister. Et tu vas pouvoir faire des recherches autant que tu veux. Ouais, tu vas pouvoir chercher, faire des recherches autant que ton cœur le veuille. Donc ouais, tu vas pouvoir faire des recherches autant que tu veux. Ok. Et il est mort. Enfin, j'espère qu'il est mort, parce que... voilà. Quoi, c'est le dieu de la mort, il va l'emmener et faire des recherches dans l'au-delà, ou... je sais pas. C'est seulement nous deux, maintenant. Oui, et Snowball. Il faut pas oublier Snowball. Oh, oui, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on doit faire, maintenant? Je ne sais pas. Nous devons trouver quelque part pour vivre. Mais je suis sûre que je ne peux pas vivre seule. Maria, est-ce que tu viens avec moi? Bien, bien sûr. Bah, bien sûr, Raya, qu'elle va venir. Tu as fait tellement pour moi, maîtresse. Alors maintenant, c'est à mon tour de t'aider. Quoi qu'il nous attende devant, je jure de toujours te protéger. Merci. Allons-y. Es-tu sûre? Tu ne veux pas regarder jusqu'à la fin? Oui, c'est bon. Allez, on se casse. C'est quoi dans l'herbe? C'est une porte? Ah! En fait, je me demande où est allé le mec avec le manteau noir. Donc notre ami Hitman. J'espère qu'il va bien. Ouais, j'en ai rabé d'Hitman. Je suis sûre qu'il va bien. Bien, c'est vraiment un gars très étrange. Bien, Snowball. Père, mère, adieu. Ah. C'est quoi, une porte? Un livre? Oh putain, j'ai jamais vu un livre aussi gros. Non mais t'es sérieuse, Aya? Le livre, il est aussi gros que toi? Il est plus gros que Snowball! Qu'est-ce que c'est que ce livre? Non mais Maria, tu t'es pas en train de te casser alors qu'on n'est pas là? Maîtresse? Ah, c'est bon, j'ai eu peur. J'ai eu peur, j'ai cru qu'il nous était arrivé un truc encore. Quel problème? Rien du tout. Allons-y. Oh, Aya m'inquiète. La maîtresse est vraiment bizarre. Même à avoir vécu une expérience aussi dure, elle marche sans verser une seule larme. Avec la maîtresse derrière moi, je suis sûre qu'on pourra surpasser tout et n'importe quoi. Bien que... Quel est ce sentiment? Uneasiness. Comment traduire ça? C'est pas malsain, c'est... vous savez, elle se sent pas bien, enfin... ce malaise, voilà. Quel est ce malaise que je ressens, docteur? Ok. La lune, d'accord. Je sais pas quel livre elle a ramassé, mais j'espère que c'est pas le livre des expériences de père qu'on a vu en bas. J'espère vraiment. C'est qui ça? C'est Maria? Ça peut pas être Aya, on était brune, on n'est pas devenu châtain soudainement. Mais si c'est Maria, elle a changé de coiffure et elle a rajeuni. Non, c'est pas Maria. Bon. Je suis finalement ici. J'ai entendu parler de cette place. De ce lieu. J'ai entendu parler de ce lieu. Drevis Clinique. Une clinique. Ça commence bien. Clinique? Oui, ça doit être ce lieu. C'est au milieu de nulle part. Personne ne le remarquerait. Personne ne le remarque.
Toc toc toc. Bonjour. Aya, qu'a grandi! J'aime pas trop ses cheveux courts. Je préférais avec son petit nœud. Bon, même si elle pouvait pas garder son petit nœud jusqu'à ce qu'elle soit adulte, j'avoue, ça fait. C'est ridicule, mais j'aimais bien son petit nœud, moi. Ah, un patient, bienvenue. Elle est tellement jolie. Est-ce qu'elle est docteur? Quel est le problème? Je suis née extrêmement faible. J'ai des check-ups régulièrement de mon docteur local, mais comment dire? Ma famille est vraiment pauvre. Alors le docteur m'a laissé tomber. C'est pour ça que je suis venue ici. J'ai entendu que le docteur d'ici fait des check-ups. Ouais, fait des. Comment dire ça? Quand tu vas chez le médecin, là, c'est pas des rendez-vous, c'est des. Elle est devenue docteur alors, Aya. C'est cool. C'est l'inverse de son père, elle sauve des gens au lieu de les tuer. Les examens, c'est ça. Faisait des examens gratuits. Oui, nous demandons aucun argent de nos patients. Comment elle vit? Alors ne t'inquiète pas. Vraiment? Je n'ai vraiment rien du tout, alors. Je peux vraiment me faire examiner? Bien sûr! Merci beaucoup! Quel est ton nom? Je suis Jean, Jean Roney. Jean, c'est un nom magnifique. Je suis Aya Drevis. Ravie de te rencontrer, Jean. Je suis désolée, mes gens, c'est moche, c'est un mec. Oui, moi aussi. Ah, elle est malade. Je n'aime pas. Ouais, ça ne. Comment traduire ça? Ça ne fait pas un bruit vraiment bien, c'est. Mais comment traduire ça? C'est vraiment de l'anglais de base pur et dur, ça. Elle aime pas le bruit qu'elle entend. Je dois t'examiner tout de suite. Viens, entre. Pour quelqu'un qui n'est pas tout à fait en bonne santé, tes jambes t'ont amené bien loin. C'était difficile pour toi? J'ai rencontré un vieil homme sur le chemin. Il m'a emmené une partie du chemin. Il m'a emmené une partie du chemin, ouais. Dans son coach, dans son sa charrette ou dans son coach. Je sais pas si c'est une charrette ou une. Comment ça s'appelle? Vous savez, là, avant ils se déplaçaient comme ça. On voit ça souvent aussi dans les animés. Je sais pas. Moi, ça me dit un entraîneur, la traduction, donc c'est certainement pas ça. En autocar. C'est vraiment très bizarre. Ok. Bah, il l'a transporté sur le chemin, quoi. C'était vraiment très gentil de sa part. Il a pas dit un old man. Pourquoi dit her? C'est une erreur de traduction. Il y a vraiment des gens très gentils ici. Juste comme vous, monsieur le docteur Dreviste. Tu penses? Là, allonge-toi ici. Elle est vraiment devenue un docteur. Ah, je suis nerveuse. Un cheval? J'entends les chevaux. Ils n'ont pas l'air bien loin. Est-ce qu'ils sont derrière? Ah, elle a mis un masque. J'aime pas son masque, il ressemble à le truc que son père avait. J'aime pas ça. Reste tranquille pendant que je t'applique un anesthésiant. Ah, oui. Tu as des yeux magnifiques, tu sais. Oh. Tellement magnifique, je me perds dedans.
Personne ne m'a jamais dit ça avant. Merci beaucoup. Nerveuse, n'est-ce pas? Ça va bien se passer. Relâche tes épaules. Docteur. Docteur, est-ce que vous pensez que vous pouvez faire aller mieux? Bien sûr. À partir de maintenant, tu ne vas plus jamais souffrir. Alors, take it easy. Reste tranquille. Comment dire take it easy? C'est une expression anglaise, take it easy. C'est... Ouais, sois tranquille. Relax, cool, calme. Calme. Take it easy, quoi. Et endors-toi. J'ai vraiment un mauvais pressentiment. Je sais pas pourquoi. Il y a le livre là qu'elle a trouvé. Oh mon dieu. La maîtresse te ressemble tellement. Ça court vraiment dans la famille. Oh, Maria, elle est... Oh, j'aime pas ça. Docteur. Oh, j'aime pas ça du tout. Oh, j'aime pas ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Ayal a poursuivi les travaux de son père? Ça veut dire quoi? Ou elle est vraiment un docteur? Oh, je sais pas. Je sais pas. Ok. Bon, c'était le bad ending numéro 1 de toute façon. Oh mon dieu, mais j'espère pas. J'espère vraiment que c'est un vrai docteur. J'en sais rien. Bon, écoutez, on va s'arrêter là. On aura vu l'ending numéro 1. Voilà, où on a voulu sauver père et finalement, bah, il est mort. La prochaine fois, on verra l'ending numéro 2, c'est-à-dire quand on voulait poursuivre le souhait de mère, et ensuite on verra le troisième ending avec toutes les gemmes qu'il faudra que je cherche où elles sont, et je sais que je vais galérer. Vous savez que je vais galérer. Bah, j'espère que cet épisode vous aura plu. Voilà. Il était bien long aussi, je vois que ça fait 40 minutes là. Et je sais pas si je vais vous laisser... Bon, si, je vais vous laisser le... Ah bah, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont travaillé dessus. Ça se voit que c'est un jeu indé. C'est déjà fini. Ok, bah voilà, c'est fini. Là. J'espère vraiment que c'est pas devenu comme son père Aya, quelqu'un qui fait des expériences sur les gens et qui les découpe et tout. Ah, mais il y a quelque chose après. Mais j'ai bien fait de pas couper. Qu'est-ce que c'est? C'est des poupées? Oh, ça me fait flipper, Aya. S'il te plaît, Aya, je t'aime beaucoup, alors sois pas creepy. Nous avons promis. Alors nous ne pouvons pas oublier. Nous ne pouvons jamais oublier. Ok. Ending. D'accord. J'ai vraiment un mauvais pressentiment. Ok. D'accord. J'imagine qu'on va revenir au... Où ? Je ne sais pas. Ah, l'écran est tout noir maintenant. Ok. If. Qu'est-ce que c'est que ça ? Il faudra que je débloque aussi le muséum et if. Je m'en sais juste si... Continue. Où c'est que j'atterris ? Ici. Mince, mince, mince. Ok, bah écoutez, va falloir que je teste les autres endings. Normalement, si je me souviens bien, j'ai enregistré le deuxième truc pour pouvoir être tranquille. Donc écoutez, on va se quitter ici. Je vous dis ciao tout le monde, portez-vous bien. Et à bientôt pour les deux autres, ou trois autres, ou je sais pas, les combien d'autres fins de cette histoire. Allez, ciao tout le monde, bye bye.